Chers collègues, très brièvement, quelques minutes, pour vous présenter deux ouvrages qui ne sont pas des ouvrages habituels pour les scientifiques et chercheurs que nous sommes. Donc vous avez déjà la photographie du premier. Donc il s'agit en fait d'un catalogue de l'exposition qui a eu lieu au Musée Royal de Marimont en 2018. C'est un volumineux ouvrage que j'ai là sur la table, 383 pages. Alors vous voyez aussi que c'est un ouvrage qui a été écrit par un ensemble de spécialistes internationaux, par des Français, des Belges, des Italiens, qui sont tous des historiens de grande réputation. Et cet ouvrage a été coordonné par la conservatrice en chef des antiquités grecques et romaines du musée de Marimont, donc Madame Verbanck-Pierrard. Alors, Galien, ben, tout le monde croit le connaître. Alors, je ne sais pas si tout le monde le connaît bien. Au départ, Galien, c'est un médecin du 2e siècle après Jésus-Christ, né en 129, qui a été élevé à Pergame. Donc, je vais faire ça. Voilà, vous voyez Pergame là, en fait, en Asie, donc dans la Turquie actuelle, qui à l'époque était grecque. À Pergame, son père était architecte, géomètre, mathématicien, lui enseignait la rigueur. Il a ensuite été attiré vers la philosophie, où il a fréquenté donc de grands philosophes de l'époque. Puis, il est arrivé à la médecine. Et à l'époque, le grand maître, c'était bien sûr Hippocrate, que les médecins connaissent bien. Il a pratiqué très vite des dissections, mais évidemment pas des êtres humains. Il a disséqué beaucoup d'animaux, singes, moutons, etc., ce qui lui a permis d'apprendre à fond l'anatomie, qui est fondamentale évidemment pour la médecine. Il a fait beaucoup de voyages d'études, il est revenu à Pergame, là il a fréquenté Asclépios, qui lui a appris la saignée, les vertus de la saignée. En 157, il devient médecin des gladiateurs, ce qui lui permet d'examiner les blessures beaucoup plus attentivement. Et enfin, il arrive à Rome, parce que c'est un Grec qui a émigré vers Rome en 162, où il a là exercé le métier de médecin des gladiateurs. Donc, encore une fois, grosse expérience. Et il est aussi devenu, parce que c'était un personnage extrêmement connu à l'époque, il est devenu médecin des empereurs romains, dont Marc Aurèle, à l'époque. Il a réalisé de nombreux travaux, je vous passe tout ça, c'est bien décrit dans cet ouvrage, et notamment ben, il a utilisé comme remède la fameuse thériaque qu'il a perfectionnée, donc thériaque, remède déjà extrêmement ancien, quasiment un des seuls remèdes à l'époque. Donc, pour être bref, il a eu une longue carrière à Rome, il a connu un certain nombre d'empereurs pas toujours très commodes, comme le fameux Commode, paraît-il, et Septime Sévère par la suite. Il est décédé en 216 à l'âge de 87 ans, ce qui était pas mal pour l'époque. Alors, pourquoi connaît-on bien Galien? On le qualifie de prince de la médecine par rapport au fameux père de la médecine, qui était bien sûr Hippocrate, mais qui a vécu 7 siècles avant Galien. Son apport est extrêmement important en médecine, en pharmacie, et il a apporté beaucoup de témoignages sur l'exercice de la médecine à l'époque. Alors, si un pharmacien a pu faire la préface de cet ouvrage, c'est parce qu'en fait, les pharmaciens connaissent bien Galien, puisque dans leurs études, ils suivent le cours de pharmacie galénique. Hein. Donc, c'est un gros cours qui se donne dans la dernière année, qui n'est pas toujours agréable, mais qui est toujours embêtant. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette pharmacie galénique a... le thème de pharmacie galénique a beaucoup évolué, parce qu'au départ... Mais la pharmacie galénique était défendue par les tenants du galénisme, qu'on appelait les galénistes. Et en fait, ces galénistes et ce galénisme a été appliqué jusque à la fin du Moyen-Âge. Donc Galien a eu quasiment 12 siècles d'influence sur la médecine. Et à l'époque, quand on parlait de pharmacie galénique, on parlait surtout de remèdes naturels, donc à base de plantes ou à base d'autres... remèdes d'origine naturelle. Bien sûr, la pharmacie galénique basée sur la nature a été supprimée lorsque Vésale a commencé cette rédissection et lorsque la médecine expérimentale est arrivée, mais donc ça date, vous voyez,
il a régné pendant pas mal de temps, le fameux Galien. À ce moment-là, donc, pharmacie galénique, c'était produit naturel, par opposition aux produits chimiques. Hein, vous savez qu'en pharmacologie, il y a les produits naturels et les produits chimiques. Bon, à l'heure actuelle, c'est une chose très amusante, quand on parle de pharmacie galénique, on parle surtout de mise en forme du médicament. Donc les galéniciens s'occupent de la mise en forme du médicament pour le rendre le plus performant, le moins toxique possible. Voilà donc pour ce premier ouvrage, et vous avez une représentation imaginaire, bien sûr, de Galien, qui a été moult fois représentée, puisque pendant près de 12 siècles, il a régné sur la médecine. Alors, l'ouvrage suivant que je voudrais vous présenter est d'un autre type, c'est un ouvrage qui est consacré aux plantes médicinales, hein, aussi, donc on en a beaucoup parlé déjà. C'est un bel ouvrage également qui s'appelle « La fleur médicinale », édité chez Racine en 2018 et qui a été écrit donc, par le professeur de pharmacologie de notre faculté de pharmacie, le professeur Caroline Stevini, aidé du professeur de botanique, Nausicaa Noret, et du bibliothécaire Mathias Villain. Alors cet ouvrage, plus grand public bien sûr, est en fait dérivé d'un merveilleux ouvrage qu'on trouve dans les vieilles bibliothèques de pharmacie. Chaque faculté de pharmacie a ses bibliothèques, je connais celle de Liège, mon collègue Robin connaît bien, il y en a à l'UCL aussi, ces bibliothèques toutes poussiéreuses, hein, qu'on fréquente, et dans lesquelles on trouve de merveilleux ouvrages comme celui-là, vous voyez, 1828, grande époque des plantes, hein, grande époque des produits à base de plantes, écrit par un Allemand, donc, dont le nom figure là quelque part, ici en dessous, qui s'appelait, vous voyez, là en dessous. Donc, en fait, l'intérêt de cet ouvrage, c'est bien sûr la description de ces plantes, mais c'est surtout les lithographies qui sont évidemment des travaux extrêmement soignés. Donc, j'ai sélectionné ici la valériane. En fait, il y a 50 plantes qui sont traitées dans cet ouvrage. Et chaque fois, vous voyez, ça ne donne pas grand-chose sur l'écran ici, mais chaque fois, de très belles représentations faites par de véritables artistes à l'époque. On connaît le nom, évidemment, de la personne qui a peint tout cela. Donc, pour ces 50 planches, à chaque fois, les auteurs décrivent la pertinence médicale, médicinale, hein, la présence en Belgique, la partie botanique, les usages traditionnels, hein, valériane est bien connue, évidemment, parce qu'elle permet de calmer et de dormir, et on l'appelle le valium, comme vous voyez, le valium végétal. Il y a aussi un regard historique ou anecdotique sur ces plantes, et encore une fois, ici, ben, donc, c'est un ouvrage qui a été réalisé par de vrais scientifiques avec des données extrêmement rigoureuses qu'on ne trouve pas toujours dans ce milieu d'ailleurs des médecines naturelles. Mais ici, c'est de voir un bel ouvrage qu'on peut s'offrir, par exemple, comme cadeau à la nouvelle année à ceux qui aiment bien les petites plantes. Voilà, donc je remets ces deux ouvrages aux membres de l'Académie. Ça, je vois qu'il y a déjà un café. Je vous remercie avec plaisir et je vous remercie pour votre attention.